Donc, un salut à tous les travailleurs du monde entier. On sait que le 1er mai approche, c'est la fête internationale des travailleurs. C'est le moment de montrer notre solidarité envers tous les travailleurs et les travailleuses du monde entier. Et je voudrais accorder là vraiment un appui très spécial à nos confrères et consoeurs travailleurs en Iran qui luttent actuellement pour leur vie, qui sont emprisonnés parce qu'ils veulent développer un syndicalisme indépendant, un syndicalisme qui défend vraiment les travailleurs et les travailleuses dans la vie quotidienne. Donc, la lutte pour les droits de base, la lutte pour la solidarité et la lutte pour les droits humains. Et la lutte va toujours continuer. Notre solidarité va toujours s'exprimer clairement avec les travailleurs du monde entier.